Je vous en prie, Linda. Jem, est-ce que Smaïn est venu voir votre spectacle? Oui. Vous l'avez... il est venu vous féliciter? Oui. Non, vous mentez, Jamel. Si, si, je te jure. Non, non, il n'est pas venu vous féliciter. Vous n'avez pas accepté qu'il vienne rentrer dans votre loge. Quoi? Oui, oui, vous n'avez pas accepté qu'il rentre dans votre loge. Moi, j'ai pas accepté que Smaïn rentre dans mes loges. Oui, Jamel. Alors, je te jure. Ah, il a l'œil comme ça, il a rouge, il est rouge. Non, alors, je vais te dire ce qui s'est passé véritablement. Un quiproquo. Sincèrement. Ça arrive. Hein. Oui, vraiment. Ça arrive. Un quiproquo, je t'explique. Un quiproquo, c'est. Cherche dans le dictionnaire. Un dictionnaire. Q. Ouvrez-le à la lettre Q. Ouvrez les flamands. Bah, moi, je sais pas, maternelle. Non, c'est bien. Un quiproquo. Un malentendu. Un malentendu. Ah, non, vraiment. Un malentendu. Dis alors. Alors, oui, j'explique. Non, mais non, je laisse. Le couple. Donc, Jamel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu voir le spectacle. Et en fait, je l'avais en face de moi. Et il n'a pas rigolé. Non, oui, mais il rigolait pas parce qu'il analysait le spectacle. Jamais, je ne le savais pas. Je ne savais pas que ce mec-là, quand il allait voir le spectacle, il ne riait pas. Parce qu'il vous aime beaucoup. Oui, mais je sais. C'est mais lui qui a trouvé le nom de vos premiers one-man shows, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. C'est deux questions, hein, c'est deux, tu as droit à une question. Non, mais oui, mais Smaïn, j'ai beaucoup de respect pour son travail, pour lui. Il n'y a aucun problème, mais je te jure, je l'aime bien en plus, j'ai aucune animosité. Simplement, quand il est venu voir mon spectacle, parce que moi je regarde tout le monde. Quand je joue, je regarde les gens dans les yeux, et lui il est en face de moi, et il ne riait pas. Et comme c'est un mec que j'aime bien, je me disais, mais pourquoi il ne rit pas? C'est dommage. Et tout le spectacle comme ça. Ok. Moi je pense qu'on peut applaudir en tous les cas. Non, mais t'as dit la vérité. Et quand il est monté dans la loge, il n'a pas été dans la bonne loge. Ah. Voilà le quiproquo. Voilà un autre quiproquo. Très bien. Voilà. Charles Millon, posez une question à qui vous voulez. Et... une petite maline quand même. Ouais, elle est très maline.